Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Nathalie Dubose, je travaille au Media Lab de l'information de France Télévisions. Moi, je m'appelle Victor Agulon, je suis le cofondateur de Targo. Alors, rapidement, pour situer, Targo, c'est un média et un studio de journalisme immersif. C'est-à-dire qu'on travaille sur tous les nouveaux types de contenus, c'est-à-dire la réalité virtuelle, la vidéo 360 et la réalité augmentée, pour créer des reportages, des documentaires. Donc on travaille essentiellement avec des médias sur des contenus éditos. On a travaillé avec le New York Times, Al Jazeera, USA Today. On a travaillé avec Nathalie et France Télévisions. Et puis il y a 2 mois, on a décidé aussi de lancer Targo, le média, avec une promesse assez simple, celle de montrer des choses qu'on ne pourrait pas voir ailleurs. L'idée, c'est de prendre toutes les 2 semaines un thème, toujours un peu décalé, toujours assez différent, donc des sujets vraiment atypiques, des communautés insolites, des personnalités un peu insoupçonnées, et de les explorer à travers toute la gamme des contenus immersifs. Donc ça va être utilisé la vidéo 360, la 3D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, pour les explorer. Concrètement, c'est des sujets sur des fans de pigeons voyageurs, des compétitions d'aquarium, des chamans dans la forêt, un peu à la manière de ce que faisait Striptease. Donc simplement, ce qu'on fait chez Targo, c'est de montrer des choses différentes, différemment. Et ce qui est au cœur de ce qu'on fait, justement, c'est de la vidéo 360. Et alors justement, Victor, Targo et France Télévisions ont collaboré pendant les dernières élections présidentielles pour faire des sujets de réalité virtuelle, d'info. Donc c'est là où on a pris tout le sens de l'utilité du format 360 pour l'info. On va vous montrer une vidéo. Donc cette vidéo, en fait, c'est un screencast, c'est-à-dire qu'on a lu la vidéo 360 et on s'est nous-mêmes baladé dans l'image pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait montrer comme info, la façon dont on pouvait s'immerger dans l'info en 360 vidéo. Voilà, c'est bien dommage, vous l'avez compris, on n'était pas dans le bon sens. Normalement, évidemment, la vidéo se joue plutôt en 16/9. Donc la vidéo 360, j'imagine que vous êtes tous adeptes de ça, mais pour ceux qui ne le sont pas, l'idée, évidemment, est d'être maître de l'image et d'être maître de là où on regarde. Et c'est tout un challenge quand on fait du journalisme, justement. De savoir quoi apporter en plus aux spectateurs quand on fait de l'info en 360 degrés. Donc là, pour ce sujet-là, on avait choisi de montrer ce qu'on ne montre jamais, c'est-à-dire tout autour, et de montrer quelques petites infos dont on ne parle jamais, parce que finalement, quand on fait des sujets politiques, là par exemple, on va surtout parler de la politique et de ce que font les candidats, mais on ne va pas forcément expliquer ce qui se passe, comment on présidentialise quelqu'un, puisque là, on était dans l'entre-deux-tours, je ne sais pas si je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc l'idée, c'est qu'on avait fait un portrait croisé entre Mme Le Pen et M. Macron, juste dans l'entre-deux-tours. Donc, en tant que journaliste, l'outil du 360, c'est très intéressant parce que c'est un format de plus, un format comme aujourd'hui on utilise, je ne sais pas moi, une caméra cachée, une caméra sportive, on l'utilise pour des moments précis, on l'utilise pour des sujets précis. Ben là, l'idée, c'est que le 360, on l'utilise aussi pour des sujets précis, des moments immersifs, des moments où on va vouloir partager avec les spectateurs quelque chose d'unique, quelque chose qu'ils ne peuvent pas vivre. Et du coup, on va leur montrer des choses différentes et on va augmenter l'info, on va dire, tout en gardant toujours notre place de journaliste, on va augmenter tout ce qu'on peut leur dire avec le format 360. Exemple dans cette vidéo. Bonjour madame. Ça va? Vous allez bien? Il y a quelques semaines de ça, fonderie. Il a démarché jusqu'en 2022. Il n'arrive pas. À Ussel? Ouais. C'est Constellium. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder
Ah oui, mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Oui, oui, mais je sais bien. Mais c'est pas loin de chez eux. Donc, dans cette vidéo, vous avez compris le principe, hein, c'est nous qui avons tourné pour vous dans l'image 360. L'idée, c'est que le caméraman qui faisait un voyage officiel, donc qui suivait le président de la République, avait mis sa caméra 360 sur sa caméra classique. Ce qui a permis finalement de voir comment fonctionne le dispositif de sécurité, comment sont gérés les journalistes, qu'est-ce qui se passe quand le président fait une visite. Et donc là, vous pouvez voir un peu plus que ce qu'on vous montre d'habitude en 16/9. Enfin, et après je laisse la parole à Victor qui a aussi évidemment beaucoup de choses à vous expliquer. On réinvente son métier. On réinvente son métier pourquoi ? Parce que on doit se placer à un endroit différent. On doit toujours garder on doit toujours être journaliste, donc on doit toujours guider les gens. Oui, les gens sont libres dans une image 360 degrés. Mais non, les laisser trop libres ne vous laissera pas l'opportunité de les informer suffisamment. Donc il va falloir choisir votre place, choisir où vous mettez votre caméra, choisir si vous êtes à l'image, si vous n'y êtes pas. Et puis surtout, il y a les sujets qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Tout ce qui fonctionne finalement, c'est ce qui fonctionne très très bien en télévision. C'est-à-dire tout ce qui est plein d'action, tout ce qui est déjà immersif par nature, c'est-à-dire quand vous ne savez plus où regarder, tellement il y a de choses à regarder, les manifestations fonctionnent très bien. Il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que ce format peut apporter, sur certaines infos, de la transparence. Et aujourd'hui, le journalisme a besoin, parfois, de montrer que ce qu'il montre, ce qu'il raconte, c'est la réalité, c'est la vérité. Ce format aide vraiment le journaliste à faire ça, notamment dans les sujets d'information pure comme les manifestations, comme les endroits où on ne peut pas aller, les conflits. Enfin, les journalistes y vont, mais les gens n'y vont pas. Si vous avez un tremblement de terre, là, évidemment, les gens ne peuvent pas y aller forcément ou ont envie de voir ce qui se passe. Le format immersif va très bien fonctionner. Et du coup, une fois qu'on arrive à identifier l'intérêt, enfin qu'on arrive à dépasser en fait l'aspect gadget de la 360 dans le journalisme, on a travaillé sur quelque chose qui est extrêmement important dans le journalisme, c'est d'aller dépasser l'effet wow, parce que peut-être que dans la communication, dans le marketing, on va essayer d'aller jouer dessus. Dans le journalisme, rapidement, on essaye d'aller chercher des sujets qui en fait nous permettent de dire des choses qu'on ne pouvait pas dire avant et que la 360 justifie. Donc l'idée toujours, c'est de trouver des portes d'entrée dans des sujets qui sont radicalement nouvelles. Donc ça peut être, comme le disait Nathalie, l'immersion. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus simples comme l'empathie, le fait de vraiment pouvoir connecter avec quelqu'un dans un reportage en 360 ou en réalité virtuelle. Ça peut être aussi l'incarnation, être quelqu'un qu'on ne pourrait pas être parce qu'on peut changer de taille un peu, on peut avoir des effets de distorsion grâce à la caméra 360. Donc il y a beaucoup de choses grâce auxquelles on doit réfléchir pour pouvoir créer des reportages en 360 qui ont un vrai intérêt. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive vraiment à ce niveau-là dans l'industrie et dans les reportages, dans les documentaires, il commence à y avoir une vraie valeur ajoutée. C'est parce qu'on commence à atteindre une certaine maturité dans les médias et du moins, je pense, dans la consommation aussi de ce type de contenu. Un rapide historique, ça a commencé en fait il y a un an avec le New York Times qui a lancé sa série, le Daily 360. C'était une vidéo 360 par jour. Et alors que tout le temps, on a l'habitude d'entendre qu'en France, on est en retard sur la technologie, sur ce qui se passe, sur la réalité virtuelle, la vidéo 360, on peut voir qu'en fait, on n'est pas du tout en retard et qu'au même moment, en France, il y avait déjà de nombreuses applications. Il y avait MyTF1 VR, RT360. Il y avait toute l'initiative qui avait été portée par Nathalie de France TV VR pour la présidentielle. Donc en fait, en France, on a déjà, j'ai envie de dire, cette appétence à ce moment-là pour ce nouveau type de contenu, pour ce format-là. Et s'il y a une différence, en fait, je pense qu'elle n'est pas à chercher tant dans la distribution, mais plutôt dans la création du contenu. Parce qu'en fait, on recrée quasiment un nouveau métier avec la vidéo 360. En fait, on crée un métier qui est celui de journaliste immersif. C'est-à-dire que c'est un métier qui est vraiment radicalement différent, dans lequel en fait les binômes traditionnels du journalisme vidéo, qui va être plutôt JRI, rédacteur, va être un peu éclaté. Et on va vraiment recomposer ces rôles-là. Donc en fait, il y a deux contraintes essentielles aujourd'hui sur ce nouveau métier. C'est d'abord techniquement. Techniquement, encore la 360, même si elle a tendance à se démocratiser pour faire des jolis reportages et pour faire des bons documentaires, il faut encore maîtriser techniquement toutes les étapes de post-production pour pouvoir les anticiper. Et aussi éditorialement, il faut ensuite savoir construire un sujet, comme le disait Nathalie, non pas seulement en montrant tout, mais justement en guidant la personne. Et donc du coup,
d'une certaine manière, aujourd'hui, le vrai défi, ce n'est pas de tout inventer, d'inventer toutes les règles du storytelling, mais plutôt de guider sans contraindre le spectateur. Et ça, c'est des techniques qui sont extrêmement propres vraiment à la 360 et à toute l'immersion. Et c'est ce qui fait que, du coup, c'est un nouveau métier parce qu'on change à la fois la pratique technique et la pratique éditoriale. Donc, au niveau de la création, c'est peut-être là, aujourd'hui, le seul goulot d'étranglement, c'est que c'est des compétences qui sont encore assez rares. Alors ensuite, on se pose la question évidemment de où diffuser ces reportages 360. Et là, on sait que les gens, il ne faut pas se mentir, aujourd'hui ne regardent les reportages, ils ne les regardent pas via des casques, où c'est extrêmement rare. Ils vont regarder un instantané, c'est-à-dire qu'ils vont regarder une éclipse de lune, ils vont regarder un ballon stratosphérique par un casque, parce que c'est merveilleux, c'est fantastique, et évidemment, on a envie de le regarder de cette manière-là. Mais globalement, les gens vont plutôt regarder un sujet sur un ordinateur, sur un smartphone, sur une tablette. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'ils ont dans la poche tous les jours, et que c'est par ça qu'ils s'informent déjà en premium. Regarder un reportage 360, ce sera plus, de notre point de vue, en tout cas à France Télévisions, via les canaux de diffusion habituels, c'est-à-dire via les sites internet basiques. Vous pouvez envoyer la vidéo si je peux continuer à parler dessus. Je ne sais pas si c'est possible. Merci. Donc l'idée, c'est que par exemple France Info a diffusé un reportage 360 encore la semaine dernière. Il l'a mis dans son fil classique. Pourquoi ? Parce que on a deux solutions. Ou on fait un site pour les passionnés, une application pour les passionnés. Et à ce moment-là, les passionnés vont voir l'info en 360. Mais nous, notre métier, c'est de faire de l'info pour tout le monde et tout le temps. Et c'est donc plus pour les gens qui sont à la recherche de l'info ou qui sont passionnés par l'info. Donc on va mettre nos vidéos 360 dans les fils d'actualité. Donc, quand on a travaillé avec Targo, on a fait exactement la même chose. Les sujets qui avaient été faits par Targo ont été mis dans les fils d'actualité et ont aussi été mis effectivement dans une application VR qui était dédiée à la présidentielle de l'année dernière. Et de l'autre côté, ce qu'on voit aussi, nous, c'est que la vidéo 360 aujourd'hui, c'est une porte d'entrée dans l'immersion. Pour nous, en fait, quand on regarde l'industrie des médias et la manière dont elle a évolué, aujourd'hui, on pense que l'immersion, c'est un nouveau média. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire, on voit que ça a évolué et qu'à chaque fois, on a ajouté des sens. Donc, on part avec la presse écrite, on ajoute la voix, ça devient la radio, on peut voir et entendre, après, ça devient la télé, on peut commencer à interagir avec notre contenu, ça devient Internet, le web. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec la vidéo 360 et l'immersion, on pense qu'aujourd'hui, on rajoute un sentiment de présence à l'information ou du moins au reportage et au documentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'immersion, donc entendue au sens large de réalité virtuelle, réalité augmentée, on est capable de faire deux choses. Tout d'abord, de faire une immersion entrante, c'est-à-dire qu'on va entrer dans l'histoire, on va entrer dans le reportage, dans le documentaire, en réalité virtuelle. Et l'autre versant, c'est de dire qu'on va faire sortir l'histoire devant soi. Donc c'est une immersion qui est sortante, et ça, c'est de la réalité augmentée. C'est dans son salon, on va être capable d'avoir un reportage, un documentaire qui va apparaître devant soi, avec lequel on va pouvoir interagir. Donc non, c'était encore le slide d'avant. Et du coup, l'idée, c'est de se dire que l'immersion, en fait, c'est plutôt une gamme de contenus sur laquelle on va être capable de jouer à différents moments. Pour certains types de contenus, certains types d'informations, on va vouloir utiliser plutôt la vidéo 360. Pour d'autres, on va plutôt utiliser la 3D, la réalité augmentée. Et pour chacun des messages qu'on a envie de diffuser, on va justement s'appuyer sur un de ces contenus spécifiques. Et la vidéo 360, c'est vraiment une porte d'entrée dedans, parce que déjà, c'est un contenu qui est extrêmement accessible aujourd'hui. Ce n'est plus un contenu qui est totalement nouveau, donc les gens savent aujourd'hui le consommer. C'est quelque chose qui est accessible facilement sur mobile, sur les sites internet. Et c'est un contenu qui éduque sur le fait que c'est un contenu qu'il va falloir, avec lequel il va falloir interagir. Il va falloir le consommer de manière active, se déplacer, interagir avec, pour regarder autour. Donc, en ce sens-là, pour nous, la vidéo 360, c'est vraiment la porte d'entrée vers toute l'immersion. Et c'est ce sur quoi on travaille. Et du coup, ça, c'est pour vous donner un exemple du site de Targo et ce qu'on entend quand on parle d'immersion. Du coup, on a fait une petite vidéo des captures d'écran. Donc ça, c'est quand on arrive sur le site, donc c'est le sujet sur les dresseurs de pigeons voyageurs dont je vous parlais. L'idée, c'est d'avoir une vidéo 360 qui est un peu la pièce maîtresse, qui est 5 minutes, 6 minutes de documentaire où on va rencontrer du coup ces dresseurs de pigeons voyageurs. On va assister au lâcher de 17 000 pigeons. Et en parallèle de ça, on va faire des modélisations. On va donner des informations beaucoup plus facts and figures sur des éléments. Typiquement, là, ça va être la vitesse du pigeon. Pour toutes les personnes qu'on va interviewer, on va les scanner en 3D. Et toujours de capter les éléments du réel, c'est extrêmement important.
pour pouvoir reconstituer des reportages qui paraissent réels ensuite en réalité augmentée. Donc là, on peut voir, c'est la personne qu'on a interviewée. À côté, il y a un scan en 3D sur lequel on va aussi diffuser des informations spécifiques comme son âge, ses récompenses, etc. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on le voit aujourd'hui. C'est la première étape parce qu'il y a assez peu d'équipements, c'est ce dont on parlait, en casque de réalité virtuelle ou même de réalité augmentée. Mais l'idée, en tout cas, c'est de rassembler tous ces types de contenus et de les utiliser différemment pour dire des choses différentes. Alors enfin, ah non, si on, ouais, merci. Revenir à la slide d'avant, du coup. Okay. Donc la caméra 360, pour l'info, vous l'avez compris, c'est un premier pas, c'est un outil de plus pour le journaliste. C'est vraiment, on n'est pas en train de dire que demain, on va regarder, on n'aura plus la télé, puis on regardera 100% d'images ou en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. Simplement que ce sont des outils qui renforcent un message d'un journaliste à certains moments et donc qui sont très intéressants. Nous aujourd'hui on utilise aussi la caméra 360 pour ce que j'appelle moi une caméra sportive augmentée, c'est-à-dire que dans certains sujets, grâce à cette caméra 360, on arrive à avoir des points de vue qu'on ne pouvait avoir ni avec une caméra classique, ni avec une caméra épaule, ni avec des caméras sportives, ni avec toute autre forme de caméra. Et donc du coup on utilise la caméra 360 pour aller chercher autre chose encore, et on la reformate en 16:9 et on l'intègre dans des sujets télé, donc comme la vidéo que vous allez voir maintenant. Donc vous avez compris le principe. Cette vidéo, elle a été tournée par Jean-Paul Chevreux, qui est un collègue, à moi à France Télévisions. Le principe, c'est que aucun caméraman n'aurait pu se mettre à l'arrière de cette moto, et même s'il avait mis des caméras sportives, il n'aurait jamais pu faire ces mouvements de panneaux pour pouvoir ensuite montrer et les intégrer dans un sujet classique télé. Donc là, cette caméra a permis ça. Alors, je dirais que la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que ça a été tourné par une caméra grand public. Pourquoi ? Parce que Victor vous parlait de la post-production tout à l'heure. Oui, en information, on est obligé, on a forcément un délai qui est assez court. Et comme le format 360 est un format assez lourd, même si ça va de mieux en mieux, mais est un format assez lourd en post-production, on est obligé aujourd'hui d'utiliser des caméras qui ne sont pas en 8K, 16K ou autre. Mais voilà, en tout cas, on a trouvé une utilité qui nous permet vraiment de faire des choses différentes qu'on ne pouvait pas faire avant avec des caméras classiques grâce à ces caméras 360. Donc merci. Juste pour finir, on est sur le stand, on est sur le salon pour les trois prochains jours. Du coup, si vous voulez venir nous voir, on est Targo au stand 5 en haut. Donc ce sera avec plaisir qu'on pourra poursuivre la conversation. Alors, je ne sais pas, du coup, il reste 2 minutes s'il y a des questions ou si. Non. Merci beaucoup. Merci.